still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas. Yop yop les pédéodos, ici Smoke and Play, j'espère que vous allez bien, ça va nickel. Comme d'habitude, on se retrouve les amis pour une nouvelle vidéo sur Sword of Legend Online. Nouvelle vidéo pour le guide des débutants. Aujourd'hui, vidéo sur le familier. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire et le petit abonnement. Comme d'habitude, merci à ceux qui le font à chaque fois. Je vous vois, cœur sur vous. Et désolé pour les bruits de déconnexion et connexion de mon micro, de mon casque, qui commence à être fatigué. On est parti. Alors, on est de retour en jeu les amis. Donc, premièrement, donc touche P pour ouvrir la page du familier, je pense que vous le savez. Donc les amis, le petit onglet de familier. Alors, premier truc, vous pouvez afficher ou pas votre familier. Bon, ça je vous le dis, vous le savez sûrement. Ensuite, vous avez le key animique de votre familier. Donc quand vous allez le nourrir, ça va faire augmenter ce nombre là. Donc premier truc à savoir, c'est que pour monter cette barre là, vous allez devoir le nourrir. Donc pour le nourrir, vous avez plein d'items différents. Ce que je vous conseille déjà, d'une part, c'est à chaque fois que vous allez changer une pièce de votre stuff, l'ancienne pièce, au lieu de la revendre pour quelques pièces d'argent en général, donnez-la à votre familier. Et vous avez en plus des petites ressources que vous pouvez donner à votre familier. Par exemple, vous voyez les petites bananes ici. C'est écrit en vert, obtenez 15 ki en cultivant le pouvoir de l'ombre. Donc, si je lui en donne une, ça va me donner 15 de ki. Bon là, je vais pas le faire parce que je suis déjà au maximum moi. Donc voilà, vous donnez votre ancien stuff, vous avez des petits objets comme ça. Et donc là, vous voyez, c'est 15 ki, des fois ça va être 2, 3, pas beaucoup. Et il y a aussi des objets comme ça, par exemple, obtenez 200, ça vous donne 200 d'un coup. Il y a ceux-là aussi qui donnent 100, celui-là 15 par exemple, ainsi de suite. On va dire qu'il y a un peu des items qui servent qu'à nourrir le familier et d'autres qui peuvent servir entre autres à le nourrir, mais qui peuvent servir à d'autres choses. Donc faites quand même attention à ce que vous lui donnez. Donc ça, ok. Ensuite ici, vous avez les barres de progression. 60, 75, 90. Donc là, vous voyez que pour monter ma barre, moi je dois la monter jusqu'à 1000. Là, je suis à 624. Et donc de toute façon, c'est écrit dessus. Pour la monter, je dois consommer des fragments de texte mystérieux du niveau correspondant. Donc ça, vous en avez sûrement eu. C'est voilà, c'est ceci. Fragments de texte mystérieux. Et donc, on retourne ici. Et donc, vous allez devoir en consommer pour monter cette barre. Une fois qu'elle sera full, après, donc ça sera 75 et après 90. Donc ça, ça correspond un peu au niveau de stuff. Mais on va y revenir après. Ensuite, vous avez l'onglet métamorphose. Donc là, c'est pour changer tout simplement l'apparence de votre familier. D'ailleurs, les deux là, vous pouvez gagner des fragments pendant les instances détente. Et au bout de, je crois que c'est 50 fragments, vous pouvez créer le familier. Ensuite, il y a les évolutions, etc. Il y a le petit là. Celui-là, on l'avait eu en cadeau de connexion initiée. Et le petit pipou du Battle Pass gratuit que j'ai débloqué il n'y a pas longtemps. Et il est vraiment nice, je trouve. Donc si, par exemple, vous aimez bien le cerf-volant, là, vous vous mettez là, vous faites Alt. Et ça vous dit, objet obtenu dans certaines scènes, frayeur. De Weixiu, normal, facile. Si, palais de jade, etc. etc. Donc, à savoir qu'avec la mise à jour qu'il y a eu récemment, là, qui a ajouté le premier raid dans le jeu, du palais de jade, il y a eu des nouvelles apparences de pets qu'on peut récupérer dans le raid, justement, en difficulté normale, facile et difficile. Donc, pour l'instant, difficile, on ne l'a pas encore. Et donc, voilà. Donc là, c'est pour changer l'apparence de vos skins, de votre familier, pardon. Ensuite, vous avez l'onglet compétences, pouvoir de l'ombre 8000. Donc, pouvoir de l'ombre, c'est ceci.
Ici, vous avez des petites compétences à déverrouiller. Donc au début, vous allez avoir celle-là là. Et vous allez avoir un petit plus, voilà, comme ici, qui sera au-dessus. Et vous allez pouvoir le faire monter de niveau. Vous voyez, au début, ce sera niveau 1. Vous pouvez le faire monter niveau 5. Une fois que vous avez ça, c'est qu'il est validé. Et vous pouvez l'activer ou le désactiver. Donc bon, moi, je vous conseille de le laisser activer, hein, c'est un bonus. Bref, donc vous montez au niveau max, donc level 5. Et d'ailleurs, ça va vous consommer du ki quand vous allez monter de niveau vos compétences. Ensuite, vous allez débloquer celle-là, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, vous voyez, donc moi, feu d'artifice niveau 3, si je fais le plus là, souhaitez-vous utiliser 50 points de ki animique pour améliorer? Si je mets oui, le niveau du familier est insuffisant, impossible d'apprendre la compétence. Donc ça, si je dis pas de bêtises, c'est parce que je dois faire monter cette barre-là. Il me semble que c'est ça, hein. Je suis pas sûr. Mais en gros, ça va vous le dire. Donc soit c'est par rapport à ça, ou soit c'est parce que vous n'avez pas débloqué assez d'apparences de familier. Donc en débloquant des apparences, vous allez pouvoir augmenter des fois. De toute façon, quand vous allez faire plus, ça va vous mettre le message en rouge et ça va vous dire pourquoi vous ne pouvez pas l'augmenter pour le moment. Donc ensuite, on a l'onglet fabrication, le plus important. Au début, vous n'aurez pas accès. C'est que à partir de initié 1, si je dis pas de bêtises, ou peut-être à peine avant, je ne sais plus trop, vu que ça fait longtemps que je suis passé initié. Mais en gros, voilà. Et donc ici, donc à la base, on n'avait que cet onglet, nous, parce que c'était 60 le stuff max. Mais là, vu qu'il y a eu le raid d'ajouter avec les nouveaux stuff, etc., maintenant, on a aussi 75. Et il y a aussi ça, marchand, ombre condensatrice. Donc pour ceux qui se demandent ce que c'est, ça c'est une ressource que vous aurez besoin pour fabriquer certains objets dans la résidence. D'ailleurs, je ferai une vidéo pour les débutants sur la résidence, pour tout savoir sur la résidence. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, ça sera une des prochaines vidéos. Bref, donc niveau 60. Donc ce menu-là est vraiment très important et très cool. Parce que vous allez pouvoir compléter votre stuff. Si vous n'avez pas le temps de faire des donjons pour looter votre full stuff 60 par exemple, et ben vous allez pouvoir par exemple pouvoir acheter une boîte JCE 60 qui contient un collier ou un accessoire niveau 60. Et si par exemple vous êtes en train de faire votre full stuff 60 et qu'il vous manque, je sais pas, juste l'épée ou juste le casque, et ben ici vous allez pouvoir la fabriquer et l'obtenir tout simplement. Alors, premier truc à savoir. Attention, vous voyez ici choisir la voie, vous pouvez choisir la voie. Donc faites attention de ne pas fabriquer un objet pour la voie que vous n'utilisez pas. Ensuite, deuxième chose à savoir, donc vous voyez tunique du parfum de lotus pour le plastron ici, et ici tunique de pain primitif, un autre plastron. Donc ça, c'est à vous de choisir. Vous avez plusieurs choix de panneaux entre guillemets. Et comme je vous en avais peut-être déjà parlé, vous pouvez aussi acheter des pierres scellées niveau 2, mais ça vous coûte un fragment de texte mystérieux. Alors personnellement, j'ai peu besoin d'en fabriquer des pierres scellées, enfin depuis cet onglet-là. Moi, je les ai eues en faisant comme je vous ai montré dans la vidéo pour optimiser votre stuff. Par contre, ici, j'avais acheté les brassards, il me semble, et peut-être un autre objet, je sais plus trop. En tout cas, voilà, donc ça, c'est très très cool. Pour compléter votre panneau. Et donc, pour fabriquer par exemple l'épée là, vous avez besoin de 56 gold, donc ça va, c'est pas très cher. Vous avez besoin de fragments de texte mystérieux, donc ça normalement vous en avez, hein. Et le petit logo jaune là, c'est votre ki animique. Donc c'est pour ça que c'est très important de nourrir votre familier. Et c'est pour ça que je vous disais de donner votre ancien stuff et des petits objets pour monter au maximum ça. Parce que, vous voyez, là j'ai 8000, mais c'est parce que je joue depuis longtemps. Mais vous voyez que par exemple, juste une épée, c'est 1400. Donc ça peut aller très très vite. Et donc, les petits fragments de texte mystérieux, ça, où c'est que vous les obtenez? Et bien, tout simplement, regardez dans les donjons que vous allez faire au fur et à mesure. Voilà. Donc, ça voilà. Donc, vous avez un petit résumé aussi ici. Donc vous voyez, moi j'en ai 430 et j'ai 8000 de ki animique. Et donc vous voyez, j'ai 430 fragments pour le niveau 60. Maintenant, donc on a le nouvel onglet 75 pour le nouveau stuff 75. Alors par contre, un truc à savoir, là je vous montre ça si vous le découvrez,
N'allez pas dépenser tous vos trucs pour acheter tout votre stuff ici. Moi, je vous conseille vraiment de faire déjà vos 5 donjons par semaine. Ça vous fait 5 items par semaine. Donc voilà, moi je vous conseille d'utiliser cet onglet-là juste pour compléter. Si vous manque une ou deux pièces ou trois pièces à la limite et que vous avez ou si vous n'avez pas le temps de jouer beaucoup au jeu. Mais n'allez pas vous faire un full stuff juste avec ça, quoi. Je pense que c'est. Bah, vous allez un peu gaspiller vos ressources entre guillemets, quoi. Bref, donc ensuite vous avez le nouvel onglet 75. C'est la même chose. Vous avez le stuff niveau 75 avec plusieurs panoplies de stuff. Voilà. Alors, donc la différence, c'est le niveau du stuff. Et par contre, ici, donc déjà, vous voyez que c'est à peu près le double, même un peu plus que les autres ressources. Enfin, que celles du niveau 60. Et au lieu d'avoir besoin de fragments de texte mystérieux 60, vous avez besoin de fragments de texte mystérieux 75. Et ça, vous voyez, quand je fais Alt, ça ne dit pas où on les loot. Mais si on se met ici, ça nous dit tout en bas, vous pouvez obtenir des fragments de texte mystérieux en participant à des événements quotidiens et hebdomadaires et en terminant des donjons ainsi que par d'autres méthodes. Re les amis, alors c'est moi, c'est le moi du futur, du présent, du passé composé simple au futur imparfait. Donc pour les fragments, je voulais vous préciser un petit truc, du coup j'ai bien compris comment ça se passait. Fragments de texte mystérieux niveau 60 et fragments de texte mystérieux niveau 75. Je vais les mettre là, hop. Donc en gros, suivant le niveau de votre familier, donc s'il est 60 ou 75, vous allez looter des fragments 60 ou 75. Je m'explique. Par exemple, quête journalière, exploration d'instances, récompense de quête, des fragments de texte mystérieux, pas 60, entre parenthèses, actuel. En fait, vous avez deux sortes de fragments 60 déjà. Donc vous avez les fragments de texte mystérieux 60 et les fragments de texte mystérieux actuels. Ce qui veut dire que vous allez looter des fragments de texte par rapport au niveau de votre familier actuel. Donc moi, puisque je suis passé 75 maintenant, et ben si je fais la quête ici, qui est le donjon en difficulté normale, je vais récupérer des fragments de texte mystérieux niveau 75. Et donc, si vous allez dans la liste de production, vous voyez, là c'est pareil, actuel, infinitif, actuel, 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 actuel. Alors là, vous voyez que celui-là, il est écrit actuel et virgule infinitif. Alors ça, j'ai pas trop compris la différence avec cela et les normales juste actuelles. La seule différence que je vois, c'est que sur les actuels, vous voyez, obtenir personnage par semaine, en gros, tu peux en obtenir 16 par personnage par semaine, de cette manière. Celui-là, il n'y a rien d'écrit. Alors je pense que c'est infini. Je pense que c'est mal traduit. Je suis pas sûr. Donc si vous avez la réponse exacte, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après, j'ai essayé du coup cet après-midi de faire des donjons en mode normal, sans passer par les quêtes. Et là, j'ai looté des fragments 60. Par contre, quand c'est avec les quêtes et que je loot des actuels, là c'est bien des 75. Et vous pouvez aussi en obtenir des fragments actuels dans les différents vendeurs un peu partout. Je sais que moi j'en ai acheté tout à l'heure au Pic Nuageux. Par exemple, Réputation Sanguilona, vous pouvez en acheter, je sais plus, ça doit être 7 par semaine, 7 paquets par semaine, un truc comme ça. Amcian, pareil, vous pouvez en acheter. Réputation de la Ligue de Queen, il me semble que tu peux aussi en acheter. Enfin voilà, vous pouvez en acheter un peu dans tous les marchands avec vos différentes monnaies, en plus de les looter dans les donjons. Donc voilà, je voulais juste faire ce petit point-là, parce que dans la vidéo que j'avais fait, c'était pas, j'avais pas encore très bien compris comment ça se passait, vu que je venais de débloquer le niveau 75 de mon familier, mais là au moins vous êtes plus au courant de comment les avoir. Je pense qu'on obtient ces fragments en faisant tout simplement le nouveau raid qui est sorti.
Puisque dans ce raid, on loot l'équipement niveau 75, c'est logique de looter des fragments niveau 75. Puisque dans les donjons en mode difficile qui vous donnent du stuff 60, vous lootez des fragments de texte niveau 60. Donc voilà, ça doit être dans les raids, mais c'est pas sûr à 100%. Voilà, et en plus, évidemment, vous allez consommer du ki animique en plus. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, les amis, pour cette petite vidéo sur les familiers. Et je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Alors aussi, donc vous avez l'onglet comme ça avec P. Vous pouvez faire aussi Alt P pour ouvrir simplement l'onglet de fabrication. Vous avez pareil accès aux mêmes onglets. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour cette vidéo. Je vais finir mon petit plat tranquillement, moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas les amis, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire. Et si vous êtes encore là à la fin de cette vidéo, mettez-moi en commentaire poulet. Vous le voyez pas, il est là. Vous mettez poulet en commentaire. Je saurai que vous avez vu entièrement la vidéo. Et si c'est le cas, vous êtes les boss. Donc voilà, petit commentaire, petit like, petit abonnement, petit partage si vous le souhaitez. Et je vous dis à la prochaine vidéo les amis. C'était Smoke and Play. Sûrement pour la résidence, la prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bye. Chala, hey, chala.